au Zimbabwe, en Éthiopie, très fort, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Congo central. Je vous dis, au Congo central, oubliez d'abord tout ce que vous avez comme pensée de sorcellerie, de kinganga. Je vous dis d'abord comme prophète dans le corps du Christ, le Créateur a libéré là-bas l'esprit des prophètes. Et un grand esprit tiré de l'éternité, des appartements des prophètes, est venu sur la terre, a bougé le monde et l'époque coloniale. Il est né dans un corps d'un être humain normal comme Congolais au Congo central. Il s'appelait Simon Kimbangu. Je vais chez toi à la maison. Je suis devant votre portail. C'est un portail noir. J'entre à la maison. Je prends comme la droite. Je vois au mur un cadre avec la photo d'un homme avec des enfants. Mais l'homme que je vois, ce n'est pas ton ex-mari. C'est un homme. C'est un homme de ta famille. C'est un homme de ta famille. Teddy. Oui, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Comme Missing ici, c'est. C'est ça, c'est ça. Il s'appelle comment? Il s'appelle Teddy. Teddy comment? Teddy Missing. Teddy Missing. Le papa de Yvette Missing. Oui. Le papa de Ivan Missing. Avance, prophète. Tu es configuré pour ces choses. Ta sœur est morte, hein? Vous avez pleuré une de vos sœurs dernièrement. Oui, oui, en fait, c'était l'anniversaire de sa fille aînée. La fille aînée, ta sœur qui est morte, je vois dans la maison où vous êtes là, je vois un garçon en train de jouer au football, Samy. Je veux que tu me donnes l'opportunité de prophétiser pour un homme. Avance, Daddy. Je vois un homme pour qui tu es en train de prier. Oui. Cet homme est près du chef de l'État. Oh my God. Attends, Monsieur Chabani. Il est comme conseiller en charge des questions politiques comme électorales. Jacques Mendes. C'est le conseiller spécial. C'est le conseiller spécial à charge des questions politiques et des questions électorales. Nominé en 2022 comme ça. Yes. C'est un ancien... Le 21-12-2022. Exact. Dieu. Je le vois comme ça dans mon esprit. Avance, prophète. Cet homme-là est en train de moissonner ce que ses arrière-parents ont fait. Exactement. Il est d'une famille où les gens ont fait beaucoup de bien aux gens. Et il est la moisson de toute une génération de personnes. Oh my God. Personne ne va le détruire auprès du chef. Amen. Amen. Comme il a été élevé, comme il va continuer à être élevé. On l'a même proposé quelque chose. J'ai vu, il s'est détourné de ça. Parce qu'il a préféré rester près du chef afin de le servir de cette manière-là. Exactement. Parce qu'il a servi le chef. Ne t'en fais pas. Je suis le prophète de la nation. J'ai une parole pour cet homme. Viens demain. Daddy, je serai là. C'est même pour ces réunions politiques qui m'ont empêché d'être là même aujourd'hui. Réunion politique.
Bienvenue à la porte des cieux. Est-ce que tu peux apprécier la grâce? Alléluia. Ta manière d'acclamer détermine la manière dont Dieu te donne ça. Elle a même un autre groupe là-bas. Elle a même un autre groupe dans le téléphone. On écrit comme advice, quelque chose comme ça là. On donne des idées, des trucs. Je ne sais pas si c'est des équations ou quoi, mais on a mis comme des conseils, des advice, des services, des choses comme ça. Donc je suis dans son téléphone. Et ça, c'est mon esprit des prophètes. C'est mon esprit de. Qui est en train d'aller voir ça. Demain, je vais lui parler de l'histoire qu'elle a dans la parcelle. Voir une parcelle vendue, achetée, des problèmes là où elle est. Je vais aller à la maison, je vais lui expliquer à la maison comment elle est. Et je vais lui dire ce que Dieu attend d'elle par rapport à sa relation. Parce que pour la précédente, je me vois au Kenya. Bon, j'enlève mes yeux. Non, lève-toi, je veux clôturer ici. On vous avait dit, les hommes mystiques détectent les esprits. Certains appellent ça l'étoile, mais d'autres appellent ça l'esprit. Les hommes mystiques sont capables de voir l'état de l'esprit de quelqu'un. La nature de l'esprit de quelqu'un et l'état de l'esprit de quelqu'un. L'état fort ou l'état faible. On te dit, as un esprit faible. Il y a un esprit faible. Il y a un esprit fort. Je ne parle pas des déductions qu'on fait psychologiquement en pesant quelqu'un quand on le rencontre. Je parle d'un discernement spirituel qu'on peut avoir de quelqu'un quand on le rencontre. L'esprit humain d'un prophète n'est pas comme l'esprit humain de tout être humain. D'où il vient dans l'éternité, il a été configuré à entrer en contact avec le monde invisible. Voilà pourquoi la plupart des mystiques se sont concentrés aussi dans les régions où Dieu a libéré beaucoup l'esprit des prophètes. Au Zimbabwe, en Éthiopie, très fort. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Congo central, je vous dis, au Congo central, oubliez d'abord tout ce que vous avez comme pensée de sorcellerie, de kinganga. Je vous dis d'abord comme prophète, dans le corps du Christ, le Créateur a libéré là-bas l'esprit des prophètes. Et un grand esprit tiré de l'éternité, des appartements des prophètes, est venu sur la terre, a bougé le monde et l'époque coloniale. Il est né dans un corps d'un être humain normal comme Congolais au Congo central. Il s'appelait Simon Kimbangu. Supernatural dynamis power. Are you hearing me? Receive me.